commise d'office aujourd'hui, d'accord, ah ouais. Parce qu'il y avait trop de dossiers, donc on m'a appelé en renfort pour voir la procédure. Ouais. J'ai été lente parce que j'ai tout lu. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'écriture dessus, il y a des photos. Mais les photos, je regarde la réponse, mon visage. C'est ça, là, non, c'est la preuve. Il rentre pas. Et la façon que vous êtes habillé. Ouais, regardez, dis-moi mes photos. Où est-moi? Donc on n'avait rien fait. C'est pas moi, même pas. Vous n'étiez pas là. J'ai pas là, même pas. Bon, ok. Vous continuerez à nier les faits, d'accord? Attends, j'explique. Ça, c'est pas. Écoutez, monsieur, si vous voulez vous défendre tout seul, moi, je m'en vais. Non, défendez, c'est l'avocat quand même, mais j'ai parlé la logique. Maintenant, vous arrêtez de parler et vous écoutez, d'accord? Ouais. Voilà. 22 condamnations. La dernière est du 27 novembre 2008, inscrite au casier, hein? Ouais. D'accord? Parce que les autres ne sont pas, les plus récentes ne sont pas encore inscrites au casier. D'accord? Regardez la preuve, hein? On voit rien, là. Hein? On ne voit rien, là. Et pourquoi tu dis même moi? Tu te regardes rien. Pourquoi tu dis moi? Elles ne sont pas visibles, les photos. On va demander l'original. Okay. Depuis quand vous avez arrêté de faire des vols à la tire? Si vous, quand j'ai arrêté. Vous dites vous. Vous, oui. Oui. Vous ne faites pas comme ça, tenez-vous. T'es un avocat ou la quoi? T'es un avocat ou la contrôle-moi? Vous avez quitté le Maroc pour venir en France. Ouais. Depuis 87. Ouais. Pourquoi vous avez quitté le Maroc? Je vis avec ma famille, avec mon oncle. Qui est votre famille? Hein? Qui est votre famille? Je vis avec mon oncle. Qui est votre oncle? Mon oncle. Oui. Mon oncle. Il t'appelle votre maman. Et qu'est-ce qu'il fait? Moi, je ne le connais pas. Hein. Il n'est pas Sarkozy. Hein. Oui, il vient avec moi en vacances. Après, moi, je suis mineur, j'y partir. Monsieur, ce n'est pas net. Vous pouvez être plus explicite dans votre histoire. Mais regardez ici. Donc, si tu regardes combien je viens, combien ici, moi, monsieur, là, ici. Écoutez. Je t'écoutais, madame. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes venu en France? Je viens avec ma famille, vacances. Après, moi, j'ai parti à la famille. Quelle famille? Je viens avec mon oncle, je t'ai dit. Ouais. Et c'est tout? Oui. Et pour vivre, vous volez? Hein? Et pour vivre, vous volez? Non. Trans on travaille, je trans on j'ai pas d'argent, c'est vrai, j'ai volé. Mais vous êtes musulman? Oui. C'est condamné. Les musulmans condamnent le vol, n'est-ce pas? Allez, les Français, il n'a pas condamné comme il volait. Pardon? Les Français. Oui. Comme il volait, il n'a pas condamné, comme il violait, il n'a pas condamné. Si, ils sont condamnés. Mais c'est les mêmes. C'est quoi? Quand il fait le musulman, il reste comme ça. Ça se voit que votre tête ne fonctionne pas trop vite. Hein. T'es un avocat ou là, quoi? Si, je suis un avocat, mais je pose des questions. Je regarde contre moi. Je parle avec toi sérieusement. Oui. Écoute-moi bien. Me parler calmement, intelligent. L'affaire, c'est lui-là. Il n'y a rien à voir avec moi. Même... Plaider la relax, monsieur. Okay. Mais, hein? Je vais plaider la relax. Est-ce que vous voulez un interprète en arabe? Non. Je ne peux pas répéter, ça me fatigue. Là, je t'ai dit, le 21, il est... Vous, excusez-moi. Le 21, il est... En France, on applique la loi de politesse française. Ouais. Merci. Maintenant, il regarde la tête arabe et ramène direct la prison. C'est ça, le problème. C'est ça, oui. C'est ça. Le canon français ne ramène pas la prison. Mais même les Arabes, tous, ils ont compris, c'est maintenant ça. Mais même, comme je sors, j'attaque même le consulat de Maroc. Il y en a beaucoup de racistes maintenant.